Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et du coup je mange des aliments, par exemple, j'ai vu rouge, vert. Il faudra que je répertorie pour refaire les couleurs. Mais du coup là ça va être américain. Donc voilà, j'avais prévu aussi plus tard, ça sera chinois. Je me demande ce que mangent les Chinois le matin. Mais là, du coup, il est midi 26. Je commence cette vidéo. Du coup, ça sera 24 heures en gros pour moi. Ça va être midi, soir et le matin. Donc, c'est parce que je travaille, donc c'est compliqué de. Disons de. En gros un petit déj parce que je me lève à 3h du mat et je déjeune qu'à 9h en pause, donc imaginez, je me vois comme là l'américain, je me vois mal faire mes œufs. Donc c'est que là je le fais, on est samedi, donc demain je travaille pas, c'est pour ça que je le fais. Donc là on va rentrer direct. Donc il faut savoir que pour les autres 24 heures, je fais en sorte que, enfin, par exemple, des découvertes les plus, on va dire, light, c'est-à-dire que vert, je sais pas, j'aurais pu prendre des chips vertes vu qu'ils font différents parfums, bref, j'aurais pu prendre des trucs bien gras, mais j'ai fait en sorte, par exemple, de prendre des épinards, des trucs normaux, quoi. Sauf que là en américain, disons qu'ils sont pas très soft. Donc il n'y a que le repas du soir où vous verrez que c'est du coup équilibré. Mais là, on va partir dans le classique hamburger avec des chips. Là, on peut pas mieux. Et en plus, enfin du coup, j'aurais pu faire le contraire vu que l'hamburger. C'est plus léger que ce que je vais manger au final ce soir. Mais bon, là, il est midi 30. Enfin, je me suis levée à 3h. Et que j'ai travaillé non-stop à porter des cartons et tout, c'est épuisant. J'avais pas envie de cuisiner, de rester debout. Donc là, disons que je vais chauffer ça, je vais me poser et voilà. Et on se retrouvera plus tard. Donc ça y est, du coup, on est le soir et du coup, ça va être l'heure du repas. Donc c'est pas encore chaud, disons que faut que ma poêle elle chauffe. Donc c'est du coup c'est du poisson. En gros pour faire le fish and chips, vu que c'est enveloppé, on va dire que c'est pareil. Et attendez, ça il y a juste à faire chauffer dans la casserole, donc c'est rapide. C'est des haricots. Normalement, ils mangent ça du coup au petit-déj, sauf que moi je me vois pas manger ça, faut pas pousser. Donc voilà pour le repas de ce soir et on se retrouve demain matin. Je sais pas à quelle heure je vais me réveiller parce que tous les jours se réveiller à 3h, je sais pas ce que ça peut donner, on verra bien. Donc on se retrouve le matin, il est presque 8h, dans 3 minutes. Du coup, le repas, je dis ça, c'est la première fois que je mange des œufs au petit-déj. Donc j'ai pris une boisson, ils font je crois du jus d'orange frite, sauf que voilà. Du coup dedans il y a de l'orange, de la mandarine, du raisin, donc voilà. J'ai pris l'Arizona parce que c'est un thé et les Américains ils en boivent beaucoup. Mais j'ai fait un vrai thé. Donc il est dedans. Et du coup, on a des œufs et du bacon. J'ai fait du coup, on va pas dire deux crus vu qu'ils sont cuits quand même. Mais. Et deux que j'ai passé à la poêle.
Donc voilà. Donc en gros, on va dire qu'il n'y a qu'un repas équilibré. Disons que les Américains ne sont pas très réputés pour leur... Enfin, de bien manger, quoi. Et donc, maintenant, du coup, je vais goûter ça parce que, disons que d'habitude, je prends juste du jus d'orange ou du jus de pomme. Donc, je viens de goûter. Mais disons que l'orange, ça va parce que j'ai l'habitude, mais la mandarine, c'est tellement. Ouais, je comprends toujours. Assez doux, amer. Ça pique la gorge, quoi. Mais après, l'Arizona, c'est ma boisson préférée, donc j'adore. Et je pense pas qu'il y ait de difficulté à manger le reste. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager. N'oublie pas de t'abonner, activer la cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!